ça. Oui, voilà. Et c'est en grande partie grâce à la Panga, sur le compte département là que nous sommes passés. Dans votre intervention tout à l'heure, vous avez dit que la France, les églises de France ont besoin des églises camerounaises, les PC en particulier. Pourquoi? Quelle est la raison? Alors, les églises de France aujourd'hui sont confrontées à un afflux massif, c'est bien, dans les grandes villes en tout cas, un afflux massif de gens venant de différents pays du monde entier. Pas que des Africains, mais il y a beaucoup d'Africains. Et nos paroisses ne savent pas toujours bien comment les accueillir. Comment faire quand dans une paroisse on a 50% d'Africains, alors qu'on est une paroisse avec une liturgie européenne, avec une manière de vivre l'européenne. Et on a besoin que des gens s'intègrent dans ces paroisses, en deviennent membres, pour nous aider à évoluer et à mieux accueillir et assouvir à cette dimension universelle de l'Église. Alors pourquoi le PC en particulier ? Parce que le PC fait partie de ces églises qui ont la même culture théologique que nous, la même, une ecclésiologie très proche de la nôtre, et que c'est plus facile quand même de commencer ce travail avec ceux qui nous sont proches théologiquement qu'avec ceux qui nous sont plus étrangers, comme certains courants pentecôtistes ou autres. Voilà. Donc, c'est pour ça que personnellement, je souhaite que les Camerounais de l'EPC qui viennent en France s'impliquent dans nos églises. Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas continuer à se retrouver entre membres de l'EPC pour conserver cette spiritualité, cette ferveur particulière à l'EPC. Mais en même temps, ça ne devrait pas les empêcher de s'engager dans les églises de France, je pense. Oui. Alors, révérend pasteur, quand nous savons que les conditions, les points de déplacement et autres pour traverser, quitter le Cameroun, aller en France, c'est des facilités, bref, pour venir là-bas. Quelles sont les dispositions que vous avez prises? Vous voulez dire pour que les PC se déportent de ce côté-là? Vous voulez dire pour que des pasteurs de l'EPC puissent venir provisoirement? Justement. Oui, là, moi, je parlais des communautés de ceux qui vivent en France. Oui, oui. Voilà. Mais si des pasteurs de l'EPC ont besoin de venir en France pour travailler sur ces questions et tout ça, bien entendu que nous leur faciliterons des choses. Bien sûr. Et c'est quelque chose de tout à fait envisageable. Bien sûr. Je vous remercie.